tournée latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme le... Je vous rappelle cette information principale, cette fusillade mortelle aujourd'hui. 14h10 en plein centre-ville de Montauban. Pendant pas plus de 5 minutes, tout est tiré d'une extérieure. Deux militaires ont été tués par balle. Sur le coup, un troisième a succombé à ses blessures. Dans la partie vers de Montauban. Les autorités recherchent actuellement un tireur en scooter. C'est donc l'info du jour, cette nouvelle fusillade ce matin à Toulouse et cette fois devant un collège juif. Finir sa vie retranchée dans 20 mètres carrés. Les gens garderont en tête que j'étais juste un mec taré. Victime du commérage, ouais, je suis fait comme les rats. Le monde entier connaît mon nom, je m'appelle. Mes dernières heures dans un appart, le GIGN en bas. Piégé comme un appât, ma mère, mon frère dans mon garde-ave. Bloqué contre un mur, ouais, je suis affalé. Si je pointe mon nez, évidemment que ça va rafaler. Je me rendrai pas, même si on veut me graisser la patte. Transformé en appât, donc je vais dresser la bague. Ceux qui parlent ne savent même pas si c'est moi qui a tiré. Ennemi d'état vers moi, tous les yeux sont attirés. Des échanges de tirs violents qui reprennent à peine quelques secondes plus tard. Des images vécues en direct sur BFM. J'irai au bout car pour moi ils n'ont pas d'estime. Médias manipulateurs mettent ça sur le dos de la Palestine. La France connaît ma gueule, ma vie en beurre dans la BM. Diabolisé comme Ben Laden, je suis Jack Bauer sur BFM. Ils me traitent de djihadiste entraîné en Afghanistan. Disent que si je pète les plombs c'est parce que j'agonistan. Il paraîtrait que j'étais au Pakistan en 2003. Mais j'avais 14 ans, ils veulent me priver de mes droits. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Impossible maintenant de mener une vie sage. Rappelez-vous des témoignages, le meurtrier est tatoué au visage. Bref, sur le complot on va pas s'étendre. Le 22 mars n'est que le remake du 11 septembre. Les policiers devant chez moi, j'suis dans la merde jusqu'au cou. Sur le sol contre les douches, j'suis broliqué jusqu'aux couilles. Ils ont dit que je pourrais me faire péter au nom d'Al-Qaïda. Mais à deux semaines j'étais pété, je pétais des chichas. Une chose est sûre, je verrai sûrement pas le mois de juin. 43 près de la ceinture, je roule sûrement mon dernier joint. Les minutes passent et du monde, je suis coupé. Moi, je vois rouge dans le noir, l'électricité est coupée. Alors tout commençait hier dans la soirée, hein, tout le quartier est plongé dans l'obscurité. On sait donc que Mohamed Merah n'a plus d'électricité. Il a passé toute la nuit donc dans le noir. Si j'ouvre le feu, ça risquerait de chauffer. Aucune issue possible, je suis coincé au rez-de-chaussée. Du pain béni pour Sarko en période électorale. Non, j'ai pas de doctorat, partirait d'une balle dans le thorax. L'arme à l'œil, l'arme à la main, me dirige vers la fenêtre. M'apprête à quitter le quartier qui m'a vu naître. L'issue finale est fatale et sans regret. J'emporterai avec moi tous les secrets. Avant le dénouement de l'opération. Voilà, vous venez de revivre, c'était il y a pile une demi-heure, toutes les détonations et les coups de feu qu'il y a eu lors de l'assaut final, lorsque les hommes du raid sont rentrés dans l'appartement où est retranché Mohamed Merah. Mohamed Merah est mort après avoir résisté aux hommes du raid. On a entendu, c'est il y a 300 cartouches qui ont été tirées. Alors 300 cartouches, l'opération du raid a été menée donc à 11h30. Le ministre de l'Intérieur est sur place, il devrait s'exprimer d'un moment à l'autre. Des rafales de tirs très nourries ont été entendues pendant 5 minutes. Cécile Olivier, vous êtes sur place, que l'on sait, c'est qu'il y a eu 3 policiers qui ont été blessés.